monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour vous présenter le kit planeur de chez Scrap Kit & Co. Donc, je cherchais à m'abonner à une box planeur. Il y en a des très sympas aux États-Unis, mais bon, malheureusement, je trouvais que les frais de port étaient très très chers. Donc en fouinant un peu sur internet, je suis tombée sur Scrap Kit & Co. qui propose des kits de planeur. Donc ils coûtent 22€ par mois, les frais de port sont compris. Et il faut s'abonner pour un minimum de 3 mois. Si vous prenez une durée supérieure, je crois que c'est 6 mois, ils sont à 21,50€ par mois, pareil, frais de port inclus. Donc du coup, on va le découvrir ensemble. Je ne l'ai pas encore ouvert. Alors, nous avons un petit tampon de chez Swirl Cards, restez au chaud, avec un petit mug à café. Il est super sympa. Ici, nous avons des die cuts. Je vais les ouvrir. C'est sur le thème de l'hiver, visiblement, vu qu'on est au mois de décembre. Sont vraiment sympas, ça fait un peu effet dessiné à la main, c'est pareil, les écritures, on dirait que ça fait un peu calligraphie. Ils sont très mignons. Ensuite, nous avons des petits papiers, ils sont sympas, en plus ils sont assez épais. C'est pareil, on dirait que c'est dessiné à la main, on dirait de l'aquarelle, c'est très sympa. Sympa comme couleur, cette espèce de rose qui tire vers le rouge, c'est très sympa. Ça change un peu des couleurs de Noël. Là aussi on a du rose. Ah oui, c'est des papiers encore. Celui-ci, c'est la chanson Mon beau sapin roi des forêts. Celui-là il est super mignon, il a sorti aux die cuts, les petits sapins, là il y en a un comme ça sur les die cuts. Très mignon, ça peut faire des petites cartes de Noël finalement. On a ces deux. Ensuite il y a encore des stickers de Noël, toujours dans les mêmes couleurs, en fait bleu et rose. C'est très sympa comme combinaison de couleurs, j'aime beaucoup. À nouveau des stickers en forme de bannière. Ils sont marrants ceux-là avec les petits pains d'épices. Ensuite on a ça. Donc c'est des petits carrés à découper avec des motifs. On dirait un peu l'emballage d'un embellissement qu'on peut réutiliser. Bon, c'est très mignon. Ensuite, il y a des mini stickers. Ils sont super beaux. Pareil, tout est sur le thème en fait du fait à la main. On dirait que c'est de l'aquarelle, pareil. Un sticker, c'est trop mignon. Ensuite, nous avons deux paperclips comme ça dorés. Et ça, ce sont des stickers clear, donc ils doivent être transparents. Pareil, toujours, c'est toujours la même marque en fait. Pretty Little Studio, je connaissais pas. Ils sont super sympas aussi. Très mignons, très mignons. Et pour finir, on a ça. Alors, c'est des stickers. C'est comme des bandes de washi en fait. Sont dorés, c'est trop beau ça aussi. Ça va super bien avec les couleurs du kit en plus. Je vous montre. Hop. C'est super mignon. J'arrive pas à voir si c'est transparent. Je pense que c'est transparent. Enfin voilà. Donc voilà ce kit. Je trouve qu'il est super sympa. Il y a vraiment plein de choses. J'adore les stickers et les die-cuts qu'il y a dedans. Ils sont trop mignons.
Puis bon, pour le prix, 22 euros, je trouve que ça reste assez raisonnable pour un kit de planeur. Donc voilà, je vous montrerai tout ça en action dans une de mes prochaines pages, je pense, de mon planeur. Voilà, j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à bientôt. Bye bye !